Bienvenue, chers téléspectateurs, nouvelle émission de votre programme hebdomadaire culturel et artistique Journal de la Culture. La vie culturelle et artistique en Égypte est riche et somptueuse. À ceux qui s'intéressent, voilà une liste des horaires et d'événements culturels et artistiques qui se déroulent cette semaine au pays. Le samedi 5 novembre, le Festival de musique arabe, à sa 25e session, poursuit ses activités artistiques au Théâtre de l'Opéra. Le dimanche 6 novembre, le groupe de danse théâtrale El Hagith présente ses spectacles au Théâtre de la République. Le lundi 7 novembre, la bande tonique de danse folklorique présente ses spectacles au théâtre du sultan El Rouri. Le mardi 8 novembre, le centre de création pour enfants Bet El Aini organise un séminaire au nom de Information dans un livre. Et enfin, le mercredi 9 novembre, le centre de distinction artistique au palais de l'émir Taz héberge un nombre d'ateliers artistiques variés. Plus de 40 artistes jeunes de la nouvelle génération présentent un nombre d'ouvrages artistiques distingués afin de prouver la présence et la vivacité du mouvement artistique en Égypte. Les jeunes sont l'avenir du pays dans les divers domaines. Et dans le domaine de Beaux-Arts, les jeunes ont contribué au développement du mouvement artistique à travers leur créativité et leurs nouvelles idées. Et dans cette exposition organisée par un groupe de jeunes talents, on peut voir cette créativité dans les moindres détails.
Le mouvement artistique en Égypte a vu une forte participation de la part des jeunes dans tous les secteurs, soit peinture, photographie ou sculpture. Et ça, c'est très important. Les jeunes doivent participer dans tous les domaines car ils possèdent de bonnes idées. Et vraiment, toutes les institutions, soit gouvernementales ou privées, essayent de tous efforts d'encourager ces jeunes et de leur organiser des manifestations culturelles et artistiques. Parmi ces événements importants, le Forum annuel de Beaux-Arts pour les jeunes organisé par le ministère de la Culture. Photographie. Les genres ont été incarnés par un groupe de jeunes talents de la faculté de pédagogie artistique dans cette exposition magnifique. Les chefs-d'œuvre y exposés sont vraiment magnifiques, qui reflètent la volonté et la créativité de ces jeunes talents. Franchement, ce sont des jeunes talents bien doués qui possèdent un bon avenir dans le domaine de Beaux-Arts. Tous les éléments sont présents dans les œuvres, soit la technique, le thème, l'idée, le courant d'art et les couleurs. Thank you.
les jeunes restent toujours un élément primordial dans chaque société. Et cette expérience adoptée par un groupe de jeunes étudiants de la faculté de pédagogie artistique nous a prouvé le talent et la capacité de ces jeunes. Nadia Ibrahim pour Journal de la Culture. Génération artistique, c'est le nom de la dernière exposition artistique à la salle de Tahaya Halim, à l'atelier du Caire. La salle de Tahaya Halim à l'atelier du Caire a accueilli l'exposition de peinture Génération Artistique qui a été organisée par un groupe des artistes de différentes générations et de différentes cultures.
Génération artistique est le titre de cette exposition. Et comme son nom l'indique, l'exposition a rassemblé toutes les générations et toutes les tranches d'âge. Bien sûr, cette exposition a pour but d'encourager les jeunes talents et échanger des expertises entre les jeunes et les générations précédentes. Parmi les grands artistes participés dans cette exposition, il y a l'artiste talentueuse Hoda Abdelmenem, qui a incarné les coutumes et les traditions des pays africains dans son tableau. Et aussi l'artiste Imen Ennemis nous a présenté les sentiments de la femme dans une peinture qui appartient au courant expressif. Les grands projets nationaux, surtout le projet de la deuxième voie du canal de Suez, étaient également parmi les thèmes principaux dans la plupart des chefs-d'œuvre. L'art est le vrai miroir qui reflète notre vie, notre culture, mais aussi tous les événements survenant dans la société. Bien sûr, la nouvelle voie du canal de Suez est un projet gigantesque qui a incarné la volonté et l'intention du peuple égyptien afin de réaliser ce projet historique. Et aussi, les artistes ont aimé de participer dans ce projet par leurs peintures et leurs chefs-d'œuvre, comme l'artiste Tariq Abdelaziz, qui nous a présenté un tableau intitulé « Le rêve », exprimant le canal de Suez comme un symbole de paix. Par ailleurs, l'artiste Imen Salem a présenté une peinture intitulée « Le canal de Suez aux yeux du monde ». Non seulement les tableaux représentant les projets nationaux, aussi on a vu plusieurs thèmes comme la peinture de l'artiste Mohamed El-Shemi, qui a incarné un vieillard de la Haute Égypte. Vraiment, toutes les œuvres présentées sont magnifiques.
Génération artistique, une expérience artistique très magnifique pour un groupe des artistes bien doués qui nous ont joué à travers leurs tableaux et leurs thèmes distingués. Mabel Brahim pour Journal de la Culture. Notre émission d'aujourd'hui s'est terminée, mais la vie d'ambiance culturelle artistique en Égypte continue. On promesse de vous rencontrer la semaine prochaine à la même heure avec tout ce qui vous intéresse d'événements culturels et artistiques tout neufs.